Je ne comprends pas pourquoi, quand c'est moi, j'ai l'impression que l'enfer est toujours encore plus fâché qu'avec les autres. Pourquoi? Mais je comprends le diable, je le comprends quand même. J'ai compassion. Mais il a lamentablement échoué au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es désiré, désiré, par tu es désiré, par tu es désiré, esprit de Dieu. Tu es désiré. S'il te plaît, tu es désiré, oh glorieux Saint-Esprit, viens sur nous, viens faire la différence, tu es désiré, viens par ta parole, tu es désiré, viens par tes fleuves d'eau vive, désiré, viens comme un feu, tu es désiré, viens nous embraser. Tu es viens nous consumer, Seigneur, viens nous ramener, viens nous rendre conformes à Christ, viens nous rendre semblables à Christ, viens nous faire te révéler, viens glorifier Jésus. Ta grâce est réclamée, ta conformité est réclamée, ta ressemblance est réclamée, ton dépôt est réclamé, ton cœur est réclamé, ton image est réclamée, ta ressemblance est réclamée, ton caractère est réclamé. Ta similarité est réclamée, ta foi est réclamée, ton humilité est réclamée, ton amour est réclamé, ton plaisir est réclamé, ta volonté est réclamée, ton règne est réclamé, ta ressemblance est réclamée, ta main est réclamée. Ta domination est réclamée, ton autorité est réclamée, réclamée, ta bras est réclamé, ta droite est réclamée, ta puissance est réclamée, ta seigneurie est réclamée, ton cœur est réclamé, ton épaule. L'embrasement est réclamé, ton accompagnement est réclamé, ta grâce est réclamée, ton téléchargement est réclamé, ton autorité est réclamée, ta splendeur est réclamée, ta gloire est réclamée, ta splendeur est réclamée, ta plénitude est réclamée. Ton attouchement est réclamé, ta guérison est réclamée, ta délivrance est réclamée, ta liberté est réclamée, ta plénitude est réclamée, ton cœur est réclamé, ton épaule est réclamée, ta conformité est réclamée. Ta sanctité est réclamée,
Seigneur, tu es ta délivrance et réclamée, ton gouvernement et réclamée, ton règne et réclamée, ton gouvernement et réclamée, ta possession et réclamée, ton exclusivité et réclamée. Manifestation est réclamée, réclamée, oh tu es réclamé, ton cœur est réclamé, ton étreinte est réclamé, ton embrassement est réclamé, ton gouvernement est réclamé, ton commandement est réclamé, ta vie est réclamée. Ta résurrection est réclamée, ta vie est réclamée, exclusivement est réclamée, tu es réclamée. Dimension, tu la désires. Délivre-nous de là où nous sommes. Délivre-nous de la misère. Délivre-nous des petits bruits. Délivre-nous des faux semblants. Délivre-nous des apparences. Nous t'implorons. Oh, ton cœur est réclamé. Ta vie est réclamée. La vie de l'esprit est réclamée. La marche par l'esprit. Le cœur de l'esprit est réclamé, la vie de l'esprit est réclamée, la marche par l'esprit est réclamée, tu es réclamé, ton cœur est réclamé, ton règne est réclamé, ta justice est réclamée, ta volonté est réclamée, ta pureté est réclamée. Mais simplement ta gloire est réclamée, ton expression est réclamée, ta visibilité est réclamée, et à ma mère tu es réclamé, Jésus-Christ est réclamé, le Saint-Esprit est réclamé, le Dieu trois fois saint tu es réclamé. Paradisa, oh, tu es réclamé, oh Christ en moi, oh Christ en nous, l'espérance de la gloire apparaît dans mon époque, apparaît dans ma génération, oh que l'on te reconnaisse dans mon époque, apparaît Seigneur sur la terre, à travers ses voisins. L'immensité des ténèbres qui recoupe le pays, qui recoupe la famille, qui recoupe le village. Manifeste-toi, oh tu es réclamé. Ne nous laisse plus vivre, vive en nous. Ta vie est réclamée, tu es réclamé. Ne nous laisse pas vivre, Seigneur. Lorsque
lorsque c'est nous qui vivons, il n'y a aucune différence, il n'y a aucun impact. Lorsque c'est nous qui vivons, ce sont les ténèbres qui recouvrent la terre. Lorsque c'est nous qui vivons, ce sont les maladies, les infirmités, les afflictions qui attaquent les vies, attaquent les familles, attaquent les corps. Lorsque c'est nous qui vivons, c'est la défaite. Lorsque c'est nous qui vivons, c'est l'approximation, c'est la science, c'est le cafouillage. Lorsque c'est nous qui vivons, c'est la confusion, c'est l'embarras, ce sont les petits fruits. Lorsque c'est nous qui vivons, c'est la motivation. Lorsque c'est nous qui vivons, c'est le développement personnel. Lorsque c'est nous qui vivons, Rababé, le monde n'est pas impressionné. Lorsque c'est nous qui vivons, le monde n'est pas émerveillé. Lorsque c'est nous qui vivons, le monde n'est pas étonné. Lorsque c'est nous qui vivons, il n'y a aucune différence entre la justice et l'iniquité. Lorsque c'est nous qui vivons, il n'y a aucune différence entre la lumière et les ténèbres. Lorsque c'est nous qui vivons, il n'y a rien à envier, il n'y a rien d'impressionnant. Mais nous t'implorons lorsque c'est toi qui vis. Lorsque tu ne te contentes pas d'être en moi, mais de t'exprimer à travers moi. Oh, alors un prodige sera constaté dans mon époque. Un prodige, un miracle, un signe sera constaté dans ma génération. Voilà pourquoi tu es réclamé. Oh, s'il te plaît, apparaît à travers moi. Manifeste-toi. Oh, Christ, sois pleinement formé, visible, exprimé, attesté, certifié, démontré dans notre époque. Jamais auparavant. Ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas être une poignée à te rendre visible. Ne nous laisse pas être une poignée à te rendre visible. Non. Amène la manifestation d'une armée et pas d'une poignée. D'une armée et pas de chrétiens, mais de témoins. De démonstrateurs. De quoi? De démonstrateur de lui, de démonstrateur de Christ. Oh, comme jamais auparavant, plus que jamais, tu as dit dans ta parole, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Fais surabonder la grâce en manifestant dans notre génération et dans les générations à venir. Une génération, une armée de témoins, de démonstrateurs de Christ, de révélateurs de Christ, de manifesteurs de Christ dans leur époque, dans leur génération. Afin qu'il soit dit en notre sujet, comme il a été dit au sujet de Paul et Silas et de Barnabas, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Qu'on les reconnaisse en Côte d'Ivoire, qu'on les reconnaisse dans le territoire de la personne qui est connectée au son de ma voix. Abba Père, nous t'implorons, emmène-nous à la dimension de la manifestation visible de Christ au milieu des ténèbres. Oh, fais briller ces lumières, fais briller ces vases, Seigneur, à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Tu es réclamé, nous t'implorons, entends la voix de nos supplications et réponds en étendant ta main afin qu'ils opèrent dans le nom de Jésus des miracles, des prodiges, des signes, des délivrances et des guérisons, des transformations, des visitations, des rencontres divines pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus le Christ, ma Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Rends-nous conformes à toi. Fais ton ministère, Saint-Esprit. Envoie ta parole, nous t'implorons. Tu es réclamé au milieu de nous. Nous te supplions. Tu es réclamé. Tu es réclamé. Oh, s'il te plaît, réponds. S'il te plaît, saisis-nous, inspire-nous, assiste-nous. Fais la différence, nous te supplions. Au-delà de nos prières, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Abba Père, tu es réclamé. Oh, merci parce que tu réponds à nos supplications par le feu. Tu réponds à notre offrande, à l'offrande de nos cœurs par le feu. Parce que c'est par le feu que Dieu répond au sacrifice. Alors que nous nous abandonnons comme des sacrifices vivants. Merci de relâcher le feu de ta sainteté, de l'embrasement. Viens soulever, viens métamorphoser, viens irradier, viens transformer, viens impacter. Oh, viens réquisitionner, s'il te plaît. Nous t'implorons. Viens démontrer. Viens démontrer.
travers un assoiffé, un désireux, quelqu'un qui te désire, quelqu'un qui veut t'exprimer, te révéler. Viens faire de mon frère et de ma soeur un modèle d'exposition, un panneau d'exposition de la gloire de Dieu. Seigneur, viens faire de quelqu'un qui a soif de toi un modèle enviable et envié, afin de donner à des multitudes dans cette génération des gens qui courent après les mirages et les spectacles inutiles de ce monde. Viens bâtir le Christ pleinement exprimé et viens faire de nous un peuple de témoins enviés, enviables, qui emmène les générations à dire: si c'est ça le Christ, si ça ressemble à ça le Christ, si c'est ça, alors je veux ce Dieu, alors je veux ce Dieu, alors là où tu iras, moi aussi j'irai, alors ton Dieu sera mon Dieu. Viens bâtir des vases, des témoins, des démonstrateurs de ta gloire, des modèles de Christ, Père, qui ne convainc pas à travers leurs paroles, mais qui convainc à travers l'expression de ce qu'ils sont. Le Christ visible à travers eux va convaincre des multitudes à dire: ça c'est la véritable lumière, celle qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Je veux ce fait de lumière là, oh ma Père. Fais de nous des démonstrateurs et des témoins, nous t'implorons. À la louange et à la gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié ainsi, Père, dans le nom de Jésus le Christ, alors que nous nous attendons à toi, glorieux Saint-Esprit. Amen, 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 amen. 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 We cry out to you. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, assez de prier. Amen, amen. We thank you, Lord. We thank you. We bless you. We welcome you. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Acclame Jésus avec moi. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Awesome God. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'honorons. Nous te célébrons au nom de Jésus. Pouvez-vous m'aider à accueillir, vraiment à bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le visionnaire de cette conférence et de... et de la grande famille, vase d'honneur, dans l'impact inspire le respect, l'étonnement, l'admiration et la stupéfaction. Parce que je vous l'ai toujours dit, à partir de vase d'honneur, plus personne ne peut dire: oui, mais nous on échoue parce qu'on est basé en Afrique, on n'a pas les moyens. Nous vraiment venons à notre secours. C'est scandaleux de voir comment de l'Afrique Dieu a suscité un ministère qui vient au secours et qui n'attend pas le secours. Si j'avais été ton voisin, j'aurais acclamé mieux que ça. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit: sachez, sachez honorer de tels hommes. Il faut savoir reconnaître et avoir inspiré vraiment le respect. Richard, vraiment que Dieu te bénisse. C'est impressionnant. La plupart des gens que je rencontre en Afrique attendent l'aide. Ils attendent le secours. Et Dieu a montré que ce n'est pas une question de localisation géographique. C'est une question. Mais le problème, c'est que le secret de sa vie, bon, je pense qu'une poignée a compris. Mais maintenant, il faut une armée. Il faut maintenant qu'une armée comprenne. Il faut que vous soyez plus nombreux à comprendre. Afin de démultiplier ça, parce que ce n'est pas une question de territoire. Quelle que soit la manière dont les ténèbres recouvrent la terre, ce n'est pas une question de territoire. Et c'est de ça qu'il faut qu'on parle à cette conférence. Et il faut qu'on redise encore les mêmes choses, parce que
Les gens veulent de nouveaux messages, mais le problème, c'est que les anciens messages n'ont pas été pratiqués. Pourquoi tu veux de nouvelles leçons quand les anciennes leçons n'ont pas été assimilées et pratiquées? Il n'y a pas de nouveaux secrets, c'est toujours les mêmes secrets. Il n'y a pas de nouveaux sentiers, c'est toujours les anciens sentiers. Les anciens sentiers, ce sont les sentiers qui marchent. Les anciens sentiers sont les sentiers suivis par les patriarches. Notre génération veut créer de nouveaux sentiers. Les nouveaux sentiers dans Jérémie chapitre 16. Il dit, considère attentivement. Jérémie combien? Trouvez-moi, il parle des anciens sentiers. Les anciens sentiers sont les sentiers qui ont déjà été débrayés. Débroussaillés, ils ont été déjà déblayés. C'est déjà aménagé. Ce sont les anciens sentiers. Dis avec moi les anciens sentiers. Ah. La génération, nous avons affaire à une église d'aujourd'hui qui ne veut pas les anciens sentiers. C'est combien? C'est quoi ça? Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à quitter. Non, c'est pas de ça que je parle. Alléluia, c'est pas de ça. C'est Jérémie 6, je crois que c'est Jérémie 6. Oui, c'est ça. 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Ne demande pas c'est quoi les nouveaux, il n'y en a pas. L'Écriture a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que tu vas trouver de nouveau, c'est faux. C'est fake, c'est superficiel. Il n'y a que des anciens sentiers. Mais on a une génération qui veut de nouveaux sentiers. Elle ne veut pas les anciens. Alors il dit, demandez, quels sont les anciens? Quelle est la bonne voie? Les anciens, ce sont la bonne voie. Et il dit, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais cette génération de toto, de têtu, ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Voilà. Dieu a dit, prenez les anciens. Non, pasteur, il y a de nouveaux sentiers. Les nouveaux sentiers de l'onction, les nouveaux sentiers de la promotion ascenseur, de l'élévation ascenseur. Bon, maintenant, comme on parle de l'accélération divine, il y en a qui pensent qu'il y a aussi des ascenseurs qui montent vite. Non, mon frère, la marche avec Dieu, c'est une marche étape par étape. Je crois à l'accélération divine. Je crois à ça. Je crois à l'accélération divine. Mais je crois que la marche vers la destinée n'est pas un ascenseur. Je pense que tu vas te faire passer toujours par les déserts. Sauf qu'on a des gens qui ne veulent plus des déserts. Ils ne veulent plus des déserts. Ils veulent directement Canaan sans passer par les déserts. Ils veulent directement arriver au sommet sans passer par les escaliers. Ah non, mon ami, j'ai compris qu'il y a un processus avec Dieu. Non, il y a un processus, il y a un brisement, il y a des déserts. Les déserts sont des lieux de rencontre, de révélation, d'intimité. Il y en a qui veulent servir Dieu qui ne le connaissent même pas. Ils veulent prêcher l'évangile, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'il attend d'annoncer. Et tu sais à quoi ils ne le connaissent pas? Dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a un coup dur, dès qu'il y a une tentation, dès qu'on lui propose l'argent, l'argent a pris son cœur. Les femmes l'ont emporté, l'argent l'a emporté. Pourquoi? Il n'a pas été testé. Il n'a pas été éprouvé. Sa solidité n'a même pas été attestée. C'est ça. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Les gens qui accèdent à la notoriété, mais ce ne sont pas des autorités. Ils veulent la notoriété, ils ne sont pas des autorités. Et ils pensent que la notoriété, le nombre de vues détermine l'autorité. Non, mon frère, le nombre de vues ne révèle pas l'autorité. Ça révèle la notoriété. Tu veux savoir si tu es une autorité spirituelle établie par Dieu, parce que la notoriété, ce sont les hommes qui t'établissent. L'autorité, c'est Dieu qui te la donne. Ok. Tu ne vas pas continuer la vérité, hein? Ok. Mais c'est pour ça que tu cherches les vues. Tu cherches combien de vues sur YouTube. Frère, ça donne la notoriété. Quand tu vas voir ce donneur, le nombre, l'impact de vase d'honneur n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés de vues sur YouTube. Mais regarde David Oyedepo. David Oyedepo a quasiment la chaîne YouTube, a quasiment le même nombre d'abonnés que ICC. Mais tu penses qu'en termes d'impact, on est au même niveau, hein? C'est la notoriété. Bon, moi encore, je ne suis pas pour la notoriété. Ça, c'est Dieu qui fait tout seul. Je n'achète pas. Il y en a, ils achètent. Ils achètent les vues. Ils achètent juste pour faire la notoriété. Ce n'est pas l'autorité. Tu veux savoir ce que c'est l'autorité? L'autorité, quand tu l'es, ce n'est pas toi qui parles. C'est Dieu qui rend témoignage à ton sujet. C'est Dieu qui rend témoignage, comme il a rendu témoignage de David. C'est Dieu qui rend témoignage. Et comment il rend témoignage? Il donne à ta voix du poids. Tu es influenceur sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un petit vent, une petite tentation, une petite séduction, tu es déjà emporté. L'amour de l'argent rentre. Tu veux savoir ce que c'est une autorité?
Comment de domination qui gère ta région? Dis-leur libérer les âmes. Comment nos entités sataniques qui contrôlent le territoire où tu es? Dis-leur, je suis venu, le règne de Dieu est là. Déclare que tu es venu sauver les âmes. Déclare que tu es venu prendre le pays. Déclare que tu es venu emmener la gloire dans le pays. Ose parler, pas aux démons qui sont dans les corps, aux entités qui contrôlent la ville. Là, tu sauras si tu es une autorité. Parce que si Dieu ne t'a pas établi, tu es comme un caporal qui va commander des forces sataniques de rang de colonel. Un petit sergent qui va attaquer des entités d'un grade de colonel. Je t'assure que tu peux dire le sang de Jésus, le nom de Jésus, tu vas voir si tu es une autorité. Tu vas voir. Ok. Bon, tout ça, c'est pas prévu. Hein. Donc, on passe. C'est dans la prophétie. Hein. Ok. C'est prophétique. Mais descends. Regarde les anciens sentiers. Alors, ce matin, je vais te parler des anciens sentiers. Ce n'est pas le titre de mon message. Mais je vais aller où l'esprit me conduit. Mais mon cœur a le fardeau de te ramener sur les anciens sentiers. Les sentiers empruntés par Abraham, Isaac, Jacob. Des gens qui marchaient avec Dieu. Des gens qui entendaient Dieu. Des sentiers empruntés par les David, les Joseph, les Daniel, les Esther, les Déborah, les Paul, les Pierre, les Jean, les anciens sentiers. Seigneur, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous t'implorons, nous te supplions. Parle à travers nous, Saint-Esprit. Ramène nos cœurs à toi. Délivre-nous de la superficialité, de la poursuite du vent. Délivre-nous de la poursuite des mirages de ce monde. Délivre-nous des sentiers nouveaux inventés par les apprentis sorciers, prophètes. Oh, nous te supplions. Ramène-nous à ton cœur. Ramène-nous à la vérité. Ramène-nous à ce qui fait la différence. Nous en avons assez de passer conférence après conférence, séminaire après séminaire, programme après programme, et nos vies ne changent pas. Délivre-nous. Cette semaine, sers-toi de cette semaine pour nous délivrer. Sers-toi de cette semaine pour nous délivrer de la folie, de la séduction, de la quête des nouveaux sentiers, de la démangeaison, d'entendre des paroles agréables à l'âme, à la chair, mais qui ne transforment pas parce qu'elles ne contiennent pas la vie. Délivre-nous. Ramène-nous à la vérité. Ramène-nous sur le chemin de la vérité, de la sainteté et de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Acclame Dieu, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclamons-le. Oh, quelqu'un dit amen. Alors ce matin, j'ai un fardeau. Le message va sortir du fardeau parce que je n'ai pas de notes, mais le message va sortir du fardeau. Et le fardeau, tu vois, l'esprit me dit, mais c'est les mêmes choses qu'on vous dit, mais vous ne comprenez pas. C'est les mêmes choses dont on parle, mais vous ne comprenez pas. Hey, les forteresses ont la peau dure, les forteresses ont la peau dure, les faux raisonnements ont la peau dure. Ce livre-là, c'est le livre que j'ai le plus de mal à écrire. Je n'ai jamais été autant attaqué en écrivant un livre. Je viens de me réveiller, j'écris, je dors. Je viens de me réveiller, je me mets à écrire et puis je m'endors. Alors je dis non, j'ai pas assez dormi. Alors je me rendors encore une heure et demie. Je me réveille au bout d'une heure et demie, j'essaie d'écrire, je dors encore. Il dit, pas une fois, pas deux fois. Mais à chaque fois que je veux écrire, je dors. Je dis, ça c'est quelle affaire? J'ai pris en langue, je vais écrire, je dors. Ce livre a été très, très, très combattu. Je n'ai jamais mis autant de temps pour écrire un livre. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Et quand je recevais le contenu, alors j'ai compris pourquoi l'esprit d'assoupissement faisait tout pour que ce livre ne sorte pas. Les correctrices, parmi les quelques correctrices qui l'ont relu avant l'impression, il y en a une qui m'a dit que vraiment elle doit s'arrêter, prendre un temps de retraite. Parce que tout ce qui est écrit dedans, elle a vu toute sa misère, toute sa... Elle dit non, je dois m'arrêter, je dois me repentir, je dois tout, j'ai tout faux. Converti depuis au moins 15 ans.
Et il y en a une autre relectrice qui a mis 2 jours à pleurer, inconsolable. Et son mari dit, pourquoi tu pleures? Et quand elle parlait à son mari, son mari dit, mais attends, pose-toi chérie, explique-moi pourquoi tu pleures. Elle dit, le livre m'a bouleversé. Elle pleure, elle pleure. Elle a mis, c'est seulement après 2 jours qu'elle a pu parler à son mari. Et puis elle a dit, mais le livre m'a donné une lueur d'espoir. Parce que le livre a décrit toute sa vie. Ce qui pourrit le plus la vie des gens. Et c'est ce dont Papa Karambri parlait hier encore. Les forteresses, c'est terrible. Quels que soient les progrès que tu as faits, quel que soit le niveau où tu es, il te suffit juste de ne pas surveiller ton cœur. De laisser le diable venir semer en toi l'offense, la cupidité, la convoitise. C'est impressionnant de voir comment rien n'est jamais acquis. Je comprends mieux pourquoi le combat spirituel n'est jamais fini. Jésus a tout accompli, mais Jésus a tout accompli. C'est pas que je veux dire mais la réalité c'est que il n'y a rien qui est jamais acquis. Rien n'est définitif. Ce que tu as gagné aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Juste parce que tu n'as pas veillé. Alors moi j'ai appris à l'école du Saint-Esprit que je n'ai pas à m'occuper de mes ennemis. Tu vois, les dominations, les autorités, les entités sataniques, j'ai compris que ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. Comment le diable te combat, comment les gens te haïssent, les persécutions, ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ton problème. Dieu a dit, le combat ne t'appartient pas, il appartient à l'Éternel. Ça, ce n'est pas ton problème. Comment les gens te combattent, comment ils te détestent, comment ils te persécutent, ce n'est pas ton problème. Ton vrai problème, numéro un, ton vrai défi numéro un, c'est garder ton cœur. C'est garder ton cœur. Parce que tant que ton cœur est tout entier à Dieu, tant que ton cœur est tout en tant que Dieu seul possède ton cœur, tu es intouchable. Ne t'inquiète pas, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ton combat, ce n'est pas qui a dit ça, qui m'attaque, ce n'est pas ça, quel sorcier. Non, il y a une dimension de Dieu. Il y a une dimension de romance. Il y a une dimension d'agrément. Il y a une dimension de plaisir de Dieu. Il y a une dimension d'approbation divine. Quand Dieu dit à ton sujet, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Quand Dieu dit à ton sujet, j'ai trouvé, c'est fini. Ta vie a changé. Le défi, c'est que Dieu ne peut pas dire pour la plupart des chrétiens, j'ai trouvé. Il met ton prénom. Homme, femme, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu ne peut pas le dire. Pour la plupart, Dieu ne peut pas dire. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de prieurs, d'intercesseurs, de jeûneurs. Jusqu'au jour où Dieu a regardé et il a dit d'un homme, j'ai trouvé. Moi, je dis toujours, puisse Dieu dire à ton sujet, j'ai trouvé. Mais pour ça, il faut comprendre les anciens sentiers. Est-ce que quelqu'un est là? Alors le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, le fardeau, la pensée qu'il a mise dans mon cœur, il a juste mis une pensée. La séduction de l'Église, la séduction de l'Église. Aujourd'hui, l'Église est une Église séduite. Mais elle est séduite à cause des faux prophètes, elle est séduite. La séduction de l'Église. C'est quoi, tu sais, c'est quoi la séduction de l'Église aujourd'hui? La pensée que j'ai eue, il m'a dit, elle veut la ressemblance à Christ sans l'image de Christ. Elle veut opérer à la dimension de la ressemblance. Parce que Pasteur Mohamed a introduit, il a mis le fondement. Lui, quand il a dit ressemblance, il inclut les deux mots. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'image parle de ce qu'il est. La ressemblance parle de comment il fait, comment il opère. La séduction de l'Église, c'est que nous on est l'Église aujourd'hui qui est plus intéressée par ce que Dieu fait, comment Dieu fait, comment Dieu opère les miracles, les prodiges, les exploits, les signes, les merveilles. On a une Église aujourd'hui qui est plus intéressée par la ressemblance, la manière dont tu opères, que par l'image, ce que Dieu est. Et c'est une séduction terrible. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, c'est une séduction terrible.
On a une génération de gens, regardez vous-même, qui ne sont intéressés que par l'onction. L'onction, c'est quoi? Ce que Dieu fait. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et pourtant, on le dit, ce n'est pas nouveau. Ce sont les anciens sentiers, les sentiers pris par les hommes dont l'impact était durable, dont le fruit était palpable, pas du bruit, le fruit. Les gens dont l'impact est durable sont des gens qui désirent d'abord être à son image afin d'opérer à sa ressemblance. Mais nous, on a des gens qui veulent opérer à sa ressemblance. Ce qui les intéresse, c'est power, c'est la visibilité, c'est la communication, c'est l'apparence, c'est paraître. Ils ne sont pas intéressés par lui, la dimension de lui, son cœur ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, ce n'est pas son cœur. Ce qui les intéresse, ce sont ses œuvres, ses performances. Mais ils ne comprennent pas que les œuvres de Jésus prenaient appui. Les œuvres prenaient appui sur le cœur de Dieu. Le cœur. Donc nous, on veut les œuvres de Christ. On veut faire comme Christ. Mais on ne veut pas le Christ. Tu n'as pas aidé du nombre de gens. Ils ne veulent pas être remplis de lui, mais ils veulent être utilisés par lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils ne veulent pas être remplis, ils veulent être utilisés. Ils ne veulent donc pas l'image, le caractère, le cœur, mais ils veulent les œuvres. C'est ça qu'il a mis dans mon cœur comme fardeau pour ce matin. Il a dit, c'est une séduction terrible. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de pasteurs de titres, de prophètes, de jeunes qui se lèvent, qui paraissent pour un temps et disparaissent aussi vite qu'ils sont pas, ils ont paru. Et quand tu les cherches 5 ans, 10 ans plus tard, ils ont disparu. Et leurs œuvres ont été emportées avec eux. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on peut recevoir l'onction par les associations et non par la consécration. Toute onction n'est pas le fruit de ta consécration. L'onction n'est pas le, toute onction que tu as n'est pas le fruit de ton intimité. Il te suffit, monsieur Gilles, de marcher avec Jésus pour opérer comme Jésus. Tu vois, non? C'est comme une voiture qui a un carburant. Tu es chargé. On peut être chargé en étant connecté à des gens chargés. Non, est-ce que quelqu'un comprend? On peut être chargé d'onction parce qu'on était connecté. Donc, c'est-à-dire que tu ne t'es pas battu. Tu as juste, Judas, tu as juste marché à côté de Jésus, des masses. Tu as marché à côté de Paul. Et puis, tu fais les œuvres que Jésus a faites et tu fais les œuvres que Paul a faites. Tu es comme une voiture, tu t'es juste connecté à une voiture chargée, et puis ta voiture est chargée. Donc avec ce chargement, tu peux rouler un certain temps, mais pas tout le temps. Il y a un moment donné où le carburant va s'arrêter, parce que ce n'est pas un carburant qui venait de toi, c'est un carburant qui t'a été transféré par les associations. Et c'est la ruse. Et du coup, pendant que la voiture tourne, pendant que les miracles ont lieu, les prodiges ont lieu, les gens sont étonnés, wow, et puis la foule te suit. C'est une désillusion, parce que on veut créer de nouveaux sentiers. Mais moi, tu vois, je suis là pour te parler dans le laps de temps que j'ai, donc c'est pas un enseignement, tu vois. Donc j'ai pas besoin de tout mon temps, de trop de temps. Je veux parler. Quand mon temps arrive, je vais arrêter. J'ai juste envie de te parler de mon cœur. J'ai juste envie de te supplier de comprendre ce que tu as déjà entendu, mais tu ne comprends pas. Mais puisque tu ne pratiques pas, il y a des choses qui ne nous ont pas aidés. Il y a des messages qui ne nous ont pas aidés. Parce qu'on a entendu des messages. Tout le monde aime la partie accomplissement, performance, les œuvres, miracles, prodiges, signes. Tout le monde veut ça. Bon, ça, on peut dire amen parce que ce n'est pas faux. Et il y a des messages qui ne nous ont pas aidés. Les messages qui nous disaient que c'est une question de foi. La foi déplace les montagnes. Alors la plupart des gens, quand ils viennent à Jésus, ils sont intéressés par la foi. Parce que Dieu opère par la foi. La foi, c'est ce qui te permet d'opérer dans la dimension de la ressemblance. Alors beaucoup de gens croient que c'est juste la foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur que ce qu'il y arrive, il verra s'accomplir. Alors beaucoup de gens se sont arrêtés à ça. C'est juste une question de foi. On réprime les maladies, on chasse les démons par la foi. La foi, la foi, la foi. Et la plupart des gens ne sont intéressés que par la foi. D'ailleurs,
les croisades, les campagnes, les séminaires. Pourquoi les gens y viennent? On leur parle de la foi pour recevoir. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que je vais recevoir. La foi, il faut juste la foi. Et c'est vrai, il faut la foi. Sauf que comme la parole répond à la parole, la partie que tu vois, on n'a pas bien compris. La foi, c'est la ressemblance. Dieu opère par la foi. Il parle, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Donc, la foi, c'est ce qui nous intéresse. Mais sauf que ce... Mais pourtant, on en parle. Mais les gens ne comprennent pas. Alors, il a dit, alors, tout est possible à celui qui croit. Si je peux, oh, si tu peux, fais quelque chose pour nous. Si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alors, nous, on a pris ça, on a dit, et même, il te sera fait selon ta foi. Alors, on a dit, c'est juste une question de foi. Alors, on va travailler la foi. On va lire des messages, lire des livres, des enseignements. Comment augmenter la foi? Augmenter la foi. On augmente la foi, on augmente la foi. Le problème, on augmente la foi. Il y a des montagnes qui ne se déplacent toujours pas. On augmente la foi. Il y a des maladies quand on leur parle. Elles ne se déplacent pas. On augmente la foi. Et puis il y a des maladies quand on parle. On est frustré de constater que on a réprimé là. Mais la personne est partie quand même. Puis on est en colère. On prend autorité. Je les dominationne. On a des rendez-vous importants. On veut des terrains. On veut des territoires. On veut des permis de construire. On veut occuper des lieux. On veut des lieux pour nos églises. Bon, peut-être pas pour vous ici, hein. Mais on veut. Mais on fait des jeûnes et des prières. On demande à Dieu de frayer un chemin. On demande à Dieu d'ouvrir les portes. On demande à Dieu de disposer les cœurs du maire, du préfet, des députés. On demande à Dieu de lever. On prie, on jeûne, mais ça ne marche pas. Dans plusieurs cas, ça ne marche pas. Alors on nous dit, non, peut-être que ta foi est faible. Frère, c'est pas que ma foi est faible. Parce que pour déplacer la montagne, tu n'as pas besoin d'une grande foi, tu as besoin d'une foi de la taille d'un grain de sénévé. Donc, ce n'est pas un problème de foi. Non, mais est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est juste un grain de moutarde pour déplacer une montagne. Mais j'engage la foi, ça ne marche pas. Je prie, je jeûne. Si tu savais comment j'ai prié, je jeûnais parfois pour sortir un rendez-vous. Je jeûne 3 jours et je vais à un rendez-vous à la mairie pour dire nous voulons acheter un terrain pour que Dieu incline les cœurs, que Dieu précède, que le Seigneur me précède au rendez-vous. Et quand tu arrives au rendez-vous, tu dis donc là pour moi, 3 jours de jeûne, on a nettoyé, on a balisé le terrain, on a remblayé, c'est fini. Et quand j'arrive, c'est une formalité. Et tu arrives pendant 3 jours. Après 3 jours de jeûne, tu arrives, tu dis, bon, monsieur le maire, nous voulons prendre ce terrain ici. Le maire dit, on ne veut pas de vous. Et j'ai dit, non, retour en arrière. Vous n'avez pas compris. Je sors de la présence de 3 jours de jeûne. Je suis chargé de 3 jours de jeûne, 3 jours de feu, 3 jours de scie. Il dit, non, en fait, je vous explique, on ne veut pas de vous. Je dis non, je suis sûr que c'est une histoire qui commence comme ça là, mais la mer rouge va se diviser en deux. Ce n'est qu'un test. Et troisième fois, on ne veut pas de vous. Mais s'il ne veut pas de vous, vous ne pouvez pas vous installer. Vous ne pouvez pas. Il faut que le maire soit d'accord. Et puis à un moment donné, je me pince. Il est en train de dire non, on dirait. Et quand je sors de là, je dis, mais ah Seigneur, mais c'est quoi? J'ai la foi, j'ai déclaré, proclamé. On m'a expliqué que la foi croit, la foi voit, la foi proclame, la foi déclare, la foi prophétise. Tout, j'ai tout fait comme toi. Ça ne marche pas. Alors je sors de là abattu. J'ai dit à Dieu, bon là, quelque chose ne va pas. Donc j'ai plus envie de prier. J'ai perdu le zèle pour la prière, je ne sais plus quoi dire. Je vais dans la présence de Dieu, bien sûr. Parce que je ne peux pas faire autrement. À qui irais-je, toi, les paroles de la vie? À qui irais-je? Donc, je viens dans la présence, mais je suis abattu. Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé abattu après avoir prié? Il avait la foi, il a déclaré, il a proclamé. Non, non, sérieux. Il a cru, il a proclamé, il a même jeûné parfois. Et puis, tu arrives, ça ne marche pas. Et puis là, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, ah, donc, tu as le zèle dans ma présence. Donc, dans ma présence, tu es enthousiaste. Donc, quand je fais, tu es content. Tu m'aimes. Maintenant, quand je ne fais pas, tu es découragé, tu n'as plus envie de me parler, tu n'as plus envie d'adorer, tu n'as plus.
Donc ton amour pour moi est un amour conditionnel, c'est ça. J'ai dit, oh mais Seigneur, c'est pas ça. Ben non, ne dis pas ça. Oh Saint-Esprit. Donc, il y a des choses qu'on a entendues, mais on n'a pas réalisé que la Bible répond à la Bible. On n'a pas compris Galates 5, verset 6, qui dit que la foi, c'est bien. Mais tu vois, la foi est agissante aussi par l'amour. Donc, la ressemblance a besoin de l'image pour fonctionner correctement. Oh, t'as arrêté, tu n'as pas compris. Parce que l'amour, c'est l'image. L'amour, c'est la nature. L'amour, c'est ce que Dieu est. Il opère par la foi, mais il est amour. Et la Bible dit que la foi, le mode d'opération de Dieu dépend. Mais je sais, tu me diras, je l'ai déjà entendu, moi aussi. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as entendu? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Dans ta manière de chercher Dieu? Il dit que la foi est agissante par l'amour. Agissante, ça vient du grec énergéo. Ça veut dire que quand on dit tout est possible à celui qui croit, que cette foi-là, Paul nous dit que si tu as la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais que tu n'as pas l'amour, dans 1 Corinthiens 13, verset 2, tu n'as rien, tu n'es rien. Donc en vérité, la foi a besoin de l'image. La ressemblance provient de l'image. La ressemblance est démultipliée, impactée par l'image. Elle est agissante, énergie, c'est de là que vient énergie. Alors tu vois, l'esprit m'a dit, c'est comme la voiture, c'est comme le micro, c'est comme le téléphone. S'il n'a pas l'énergie, il est inerte. Donc la foi, aussi grande soit-elle, a besoin. Elle a besoin. La foi, l'énergie, c'est ce qui donne la vie. L'énergie, c'est ce qui réchauffe. L'énergie, c'est ce qui allume. Si tu me suis, tu dis amen. L'énergie allume. Donc, la foi peut être là. Elle peut être, même quel que soit son niveau, elle suffit à opérer. Le problème, c'est qu'elle n'opère pas là où il y a l'amertume dans le cœur. Elle n'opère pas là où il y a l'offense dans le cœur. Elle n'opère pas là où il y a la jalousie. Elle n'opère pas là où il y a le manque de pardon. Elle n'opère pas là où il y a la haine. Elle n'opère pas là où il y a les critiques. Elle n'opère pas là où il y a les rivalités. Elle n'opère pas là où il y a les disputes. La foi, oui, tout est possible. La foi déplace les montagnes, mais la foi a besoin d'être chauffée. La foi, c'est comme la voiture, elle a besoin d'être allumée. Elle a besoin que voum, voum, voum. Et ce qui fait le voum, voum, voum à la foi, c'est agapé. C'est l'amour. Donc c'est l'image. Donc sans l'image, ta foi n'opère pas. Donc tu comprends que tu vas devoir revenir désirer Dieu. Mais même quand je te dis ça, je me sens mal à l'aise parce que tu vois, il y a tellement de gens qui veulent seulement opérer. Alors un message comme ça, ça va les interpeller. Ils vont dire, ah oui, il faut que je réfléchisse quand même. Mais tu vois, ce qui me gêne, c'est que il te faut des messages d'encouragement, de motivation, d'explication pour t'amener à aimer ton sauveur et désirer être comme lui. Alors que normalement, pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a fait de toi, et ce qu'il est venu faire en toi, normalement, ce qui aurait dû jaillir de ton cœur, c'est juste un désir d'être tout entier à lui, de vivre pour lui. Parce que comment rendrai-je à l'Éternel ses bontés envers moi? Comment pourrais-je dire merci à Dieu? Comment pourrais-je dire merci à Dieu? Dieu n'était pas destiné au salut. Tu n'as pas été voté, il t'a choisi car ceux qu'il a connu d'avance, il m'a connu d'avance. Toi, tu attends que Dieu fasse des choses dans ta vie. Tu attends le mariage, le travail, la percée, la bénédiction pour être rempli de gratitude. Mais il y en a, ils n'ont pas besoin de tout ça pour rendre grâce à Dieu. Ils ont juste besoin d'être conscients de ce qu'il a fait de moi. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour.
Je n'aurais pas dû être appelé s'il avait procédé par vote, ni toi, ni moi, on aurait été voté. Mais dans son immense amour, il m'a connu d'avance. Il m'a connu depuis avant même la chute. Il m'a connu. Il m'avait déjà aimé. Il m'avait déjà mis de côté. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il m'a destiné à la gloire. Tu vois, je rêve d'une génération de chrétiens qui ne vont pas rendre grâce à Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses, parce qu'ils ont vu la manifestation de la guérison, de la délivrance, de la percée, mais juste parce qu'ils seront conscients de ce qu'il a fait. Indépendamment de ce que tu vois manifester, il m'a tout donné. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec moi? Il n'a pas épargné Jésus. Il a livré à cause de moi. Je n'ai pas besoin de voir la guérison, la délivrance, la bénédiction pour être rempli de gratitude. J'ai juste besoin d'être conscient de ce qu'il a accompli à la croix. Normalement, la rédemption devrait être suffisante pour élever un autel d'action de grâce dans ma vie. Normalement, ce qu'il a fait à la croix aurait dû être suffisant pour que je sois toujours et en permanence reconnaissant. Mais ma génération a besoin de voir le travail, la bénédiction, la percée, l'argent. Oh, pour dire, oh, pasteur, je suis reconnaissant, je suis rempli de joie parce que Dieu a fait ça, il a manifesté ça. Mais Seigneur, enfante la génération des hommes et des femmes qui sont juste remplis de joie parce qu'ils ont été choisis. Oh, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oh, merci de m'avoir choisi pour faire partie de ton gouvernement, pour faire partie du conseil des ministres du royaume de Dieu dans l'éternité. Pas pour un mandat de 5 ans, pas pour 10 ans, pas pour 20 ans, mais pour l'éternité. Ah, tu m'as choisi quand personne ne regardait à moi. Tu as regardé à moi. Quand j'étais digne d'être lapidé, tu as retenu la pierre et tu as dit que celui qui est dans vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Jamais personne ne m'a aimé comme tu m'as aimé. Rien que parce que tu m'as aimé, je veux te dire merci. Je veux élever un autel d'action de grâce en l'honneur de mon rédempteur et de mon héros. Oh, réveille cette génération qui ne te juge pas, qui ne t'apprécie pas en fonction de ce qui lui arrive, mais quoi qu'il lui arrive, est toujours rempli de gratitude et cultive l'action de grâce. Oh, notre génération, pour rendre grâce à Dieu, il faut voir des choses. Si je n'ai pas vu, je n'ai plus de mots. Mais tu vois, il y a beaucoup, la plupart des chrétiens, c'est parce que tu n'as pas suivi les anciens sentiers, la plupart des chrétiens. Et c'est terrible parce que vous ne nous imitez pas. Vous observez, mais vous n'imitez pas. Vous observez, mais vous n'imitez pas. Vous voyez, mais vous n'imitez pas. Regardez son serviteur, mon frère, vous n'imitez pas. Dès que tu es déçu, les choses ne se passent pas comme tu veux. Tu es déçu. Ah non, mais moi, Dieu, vraiment, si c'est comme ça. Mais tu sais que dans les pays arabo-musulmans, dans les pays asiatiques comme la Chine, là, quand ils voient votre foi, vous là, en Occident, en Afrique, ils sont écœurés, consternés de voir ce qui vous plonge dans la dépression, dans le découragement. Les gens, on leur empêche de lire la Bible. On leur retire la Bible. Ils sont joyeux parce qu'ils ont eu le temps de lire et de mémoriser certains versets. Juste le fait que Dieu soit dans leur vie, ça leur suffit. Juste le fait qu'ils ont reçu Jésus, quand ils ont compris, quand ils ont reçu Jésus, ils ont tout reçu. Ils ont reçu un héritage riche et glorieux qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Ils ont compris que, quelle que soit la qualité de vie que tu vas vivre sur la terre, ce que tu vas vivre n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce que Dieu t'a préparé dans l'éternité. Ils ont compris qu'en vérité, toutes ces choses après lesquelles on court là, et qui déterminent notre joie, notre bonheur, ce n'est qu'une goutte d'eau. Voilà pourquoi des gens comme Paul disent, car nos légères afflictions. Tu as dit quoi, Paul? Nos légères. Quoi? Légères. Quoi, toi, légères afflictions? Tu appelles ça légères? Car nos légères afflictions. Mettez ça à l'écran. 2 Corinthiens, chapitre 4, je crois, chapitre 6. Car nos légères afflictions, c'est ça, du moment présent, produit. Paul, laisse-nous parler, nous, de légères afflictions. Parce que toi, ce n'est pas léger.
Si tu veux suivre, reconnaître le pédigré, le curriculum vitae de Paul, il faut aller dans 2 Corinthiens chapitre 12, je crois, où il parle de son CV, de son expérience, où il t'explique que 5 fois il a été frappé, 5 fois il a été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, j'ai fait naufrage, 3 fois, 2 fois j'ai fait naufrage, je sais pas si c'est, oui, une fois j'ai fait naufrage, j'ai été dans la mer, j'ai été en danger dans les fleuves, en danger dans la mer, en danger de la part de ma nation, en danger de la part des faux frères, en danger si, une fois. Quand tu vois son CV, et puis après il finit son CV en t'expliquant maintenant les chats dans la chair, sans compter tous les soucis qu'ils me donnent les églises. Il te donne le CV. Et puis après, il finit en te disant comme si ce n'était pas suffisant. À cause de l'excellence des révélations que j'ai eues. Pas parce que je suis orgueilleux, mais pour ne pas que je m'enorgueillisse. Il m'était mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter. Paul, le gars dans l'ombre guérit les malades. Pas la main. L'ombre. On prend des mouchoirs qui ont touché Paul. Il n'est pas là, on en voit là-bas. Les démons sont. C'est-à-dire que Paul est comme une centrale nucléaire. La puissance qui sort de lui, c'est comme une centrale nucléaire. Ça dégage, ça délivre à des distances. Mais y a aucun démon ne peut résister sauf un. C'est-à-dire que c'est comme si on te dit que la bombe nucléaire explose ici. Ça n'a pas explosé, hein, mais c'est comme. Normalement, tout meurt. Mais il y en a un. Quelle que soit l'intensité de la bombe nucléaire, il y a un démon. Paul, regarde, toi, tu fais quoi ici? Ah, c'est Dieu qui m'a mis là. Moi, j'ai le droit de rester. Paul dit, mais tu es en train d'affliger mon corps. Paul dit, là, Paul ne prend plus autorité. Parce qu'il a déjà pris autorité, mais l'esprit n'est pas sorti. Il ne lâche pas. Alors, il dit, Seigneur, pour l'une des rares fois, hein, où il n'applique plus la foi de Dieu. Parce que la nouvelle création opère avec la foi de Dieu. Mais là, il n'applique plus la foi de Dieu. Maintenant, il va voir Dieu. Il dit, mon Seigneur, enlève ça. Parce que moi, j'ai essayé, ça ne sort pas. Enlève ça. Il dit, Paul, ma grâce te suffit. Une affliction. Paul est un concentré. Une combinaison d'affliction, de tourments, d'épreuves, de souffrances. Il faut lire son CV dans le livre de Corinthiens. Quand il t'explique tout son cheminement, tu te tiens devant l'histoire de Paul. Il dit, Dieu, avec tout ça là, restez attaché à Dieu. Mais c'est le même Paul qui, malgré tout ce qu'il a enduré, est capable de te dire qui nous séparera de l'amour de Dieu. Parato sakapara, ikoto paradisa. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Normalement, tout ce qui lui est arrivé là, normalement, pas tout. Il écrit 7 choses. Toi, tu n'as pas besoin de 7, juste 1. Ça te plante dans la dépression. Et ça te sépare de l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça t'empêche d'aimer Dieu. Ça t'empêche de payer à Dieu. Une seule chose, la nudité, la faim, le péril, le manque de mariage, le célibat. Toi, une seule chose, la maladie, une seule chose a volé ta joie. Et t'empêche d'aimer Dieu. Et Paul dit qui? Il en lit 7. Le chiffre de la perfection. Qui ne séparera de l'amour de Dieu? C'est comme ça, les épreuves, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. C'est-à-dire, même si on me tue, non, rien ne me séparait de Dieu, car j'ai l'assurance que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature dans le ciel ne pourra m'empêcher d'aimer Dieu, ne pourra m'empêcher de serrer la parole de Dieu dans mon cœur et de la mettre en pratique. Il n'y a rien qui va me séparer de Dieu. Sous-entendu, quelque chose qui m'arrive. Lorsque Dieu dira, adore, j'adorerai, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans mon cœur. Il n'y a rien qui va m'empêcher de bénir l'Éternel en tout temps. Même l'épée ne m'empêchera pas de rendre grâce à Dieu. Et de bénir Dieu pour qui il est à toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux, toujours, oh Seigneur, oh ta parole est établie dans ma vie, oh quoi qu'il arrive, je dirais, toujours, oh Seigneur,
Ta parole est établie dans ma vie. Ah, toujours, oh, oh Seigneur, ta parole est établie. Il y a des gens, les épreuves, les coups de la vie, les galères, les vicissitudes n'arrivent pas à les détacher, n'arrivent pas à les séparer, n'arrivent pas à les empêcher d'aimer Dieu. Ah, ça c'est quoi? Mais ce n'était pas que Paul. Les martyrs étaient comme ça. Ils ont préféré être éventrés qu'on transperce leur ventre plutôt que de le maudire et de le renier. Ils ont dit comme les trois jeunes Hébreux, sache ô roi que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Mais sache, quand même s'il ne nous délivre pas, oh, Mamie Wata, oh, esprit de découragement, esprit de lamentation, esprit d'amertume, je ne me prosternerai pas devant toi, qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, je ne serai pas déçu de Dieu, je ne maudirai pas le Seigneur. Célibat ou pas célibat, chômage ou travail, pauvreté ou richesse, sache que tu perds ton temps. Tu ne me verras jamais me prosterner devant toi et dire non, tu avais raison. Je vais céder aux murmures, je vais céder aux lamentations. Oh non, il y a une génération d'hommes et de femmes, je t'annonce, c'est eux les témoins. Je sais que tu n'es pas dedans, c'est pour ça que tu n'attends pas, je te comprends. Tu n'es pas dedans, 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 je comprends. Ça ne parle pas de toi, mais je t'annonce cette génération d'hommes et de femmes. On les appelle les témoins. On les appelle les témoins. Et tu sais que le mot témoin en grec, tu sais c'est quoi, non? Témoin, tu te rappelles, non? Martour, ce sont les martyrs. Eh oui, ce sont les gens qui sont morts à eux-mêmes et qui sont vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ils vivent pour le plaisir de l'époux. Ils vivent pour le Christ. Ils vivent pour son plaisir. Leur cœur est tout entier. Leur cœur est possédé par le désir de lui, de sa volonté. Alors leur volonté ne compte plus. Parce que ce qui compte pour eux, ce n'est plus leur volonté, c'est sa volonté. Oh, je comprends, t'inquiète pas, je comprends ton silence. Je suis en train de te parler d'une espèce en voie de disparition, mais que Dieu est en train de réveiller. C'est l'église épouse, l'église des témoins, l'église des consacrés, l'église des embrasés, l'église des véritables adorateurs. Ah, Rato Chakapara. Oh, tu penses que, bien aimé, tu les sous-estimes. Mais je t'explique que ce sont... C'est avec eux que Dieu fait des exploits extraordinaires. C'est avec eux que Dieu accomplit des choses surnaturelles. Donc, ils ressemblent à Dieu, mais leur fondement, c'était leur amour de Dieu et pour Dieu. Ils ne demandaient pas à Dieu de faire des exploits. Le rêve de Pierre n'était pas de marcher sur l'eau. L'intention de Pierre n'était pas de marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau est une conséquence d'un désir. Son désir, ce n'était pas de marcher sur l'eau. Il n'a même pas fait attention à sa demande. Il n'a même pas fait attention à la question qu'il posait. Il n'a même pas fait attention. Tu connais Pierre, non? Il est spontané. Hein? Lui, là, le gars, il ne réfléchit pas. Il parle sans réfléchir. Donc, lui, là, il n'a pas fait exprès. C'était pas son désir n'était pas de marcher sur l'eau. Toi, ton désir, c'est je veux marcher sur l'eau. Je vais impacter ma génération. Je vais servir. Tu vois, le problème, c'est que ton désir est déjà mauvais. Parce que ton désir parle de toi. Oui, je veux qu'on voit Christ. Mais en fait, c'est de toi que tu veux qu'on voit. C'est pour ça que tu fais les trucs sur les réseaux sociaux. Là. Tout le monde. Non, ce n'est pas pour moi, Seigneur, c'est pour les âmes, c'est pour l'encouragement des âmes. Si tu veux prouver que c'est pour l'encouragement des âmes, va encourager les âmes sans télévision, va encourager les âmes sans caméra, va encourager les âmes sans filmer. Va... Ah, ok. Je comprends que tu n'aimes pas, mais toi c'est seulement... Oui, mais sur les réseaux sociaux, il y a un plus grand nombre de personnes. Ce n'est pas grave, mais sache une chose, hein. Dieu valorise l'homme de Gadara. Dieu valorise l'homme de Gadara. Dieu valorise une personne. Il a fait traverser le Jourdain pour une personne. Gadara pour une personne, parce que Dieu sait qu'une personne peut changer le monde. Toi, tu veux toucher le monde entier, tu veux pas toucher. Tu ne valorises pas une personne. Quand une personne se pointe, tu es déçu. Oh Seigneur, j'attendais des multitudes, j'ai vu une seule personne, je suis déçu. Mais quand Jésus est arrivé à Gadara, sur l'autre côté du lac, quand il avait une personne, il n'était pas déçu, parce qu'il était venu pour libérer une personne qui transportait la destinée de toute une région. Oh, Rakato Shakabara Dasikabara.
Oh, je vois la grâce de Dieu, je vois la gloire de Dieu venir sur une personne qui donne amen comme le tonnerre. Paul, Pierre, ne voulait pas marcher sur l'eau. Ce n'était pas sa prière, ce n'était pas son désir, ce n'était pas de performer. C'est pas vrai. Son désir, c'était le ras-le-bol d'être avec les gens qui sont dans la monotonie, le statu quo, dans l'immobilisme, dans le tourner en rang de la religiosité. On fait semblant d'être heureux alors qu'on n'est pas heureux et on a assez de faire oïs dans la barque et de n'avancer nulle part et de tourner en rang. Et quand il voit Jésus, tout ce qu'il voulait, c'est avec toi que je veux être. C'est Jésus qu'il voulait. C'est Jésus qu'il voulait. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est Jésus qu'il voulait. C'est la proximité à Jésus qu'il voulait. C'est être collé serré. Oh Seigneur, il voulait être collé serré. Il ne voulait pas marcher sur l'eau. Il voulait juste être à côté de lui, attaché à lui, dépendant de lui, rempli de lui, enlacé avec lui. C'était ça qu'il voulait. Mais la conséquence de ce désir, c'est qu'il a marché sur l'eau. Mais marcher sur l'eau n'était pas le but. L'Esprit me dit de te dire, l'Église d'aujourd'hui, c'est une église qui n'est pas intéressée par lui. C'est une église qui veut seulement marcher sur l'eau. Et c'est quand tu marches sur l'eau, on écrit ton nom dans les annales. Quand tu marches sur l'eau, on dit il a marché sur l'eau. Quand tu marches sur l'eau, on dit un tel a été guéri. Quand tu marches sur l'eau, tu commences à imiter Pasteur Mohamed. Maintenant, à côté de Pasteur Mohamed, tu vas aussi qu'on cite ton nom. Mais sauf que le Pasteur Mohamed, son soupir, son désir, c'est pas d'abord que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent. Son désir à mon frère, c'est Christ. Son désir, c'est Christ. Mon désir, c'est Christ. Ma priorité, c'est lui. Mon focus, c'est lui. Mon soupir, c'est lui. Mais il m'a dit, vous ne comprenez pas. Un jour, j'ai demandé à une de mes filles. J'ai demandé, et même j'ai demandé à un des garçons. C'est quoi ton fardeau, ton désir ardent? Il y en a un qui m'a dit, mon désir, c'est impacter ma génération. J'ai demandé à une soeur, c'est quoi ton soupir quand tu pries? Elle a dit, mon soupir, c'est réaliser ma destinée. Ça a l'air spirituel. Ça a l'air bien intentionnel. L'Esprit m'a dit, c'est un mauvais désir. Ton seul désir, ça doit être moi. Ton seul désir. Je sais que tu as des besoins. Je t'ai créé pour accomplir un destin, pour manifester des bonnes œuvres. Mais ce que tu dois faire ne doit jamais être ta priorité. Ta priorité, c'est moi. Je vais te dire pourquoi. Parce que de toutes les manières, sans moi, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire. Ta priorité. Je regarde comment tu es. Je regarde ton expression et je ne suis pas gêné. Je vois des gens indifférents, mais je sais que je parle au moins à 120 personnes qui sont connectées au son de ma voix et qu'avec 120 personnes, Dieu va transformer le monde. Dieu va transformer la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis venu parler à une génération d'hommes et de femmes dont le cœur le désire lui d'abord. Mon désir, mon fardeau, c'est ma destinée. Je dis, moi, il m'a dit, ne fais pas de ta destinée ta priorité numéro un. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le règne de Dieu. Il n'a pas dit cherchez premièrement la destinée que Dieu a prévue pour vous. Non, cherchez premièrement une personne, appelez le glorieux Saint-Esprit. Hikatabara, nebroto sakapareta. Cherchez d'abord une personne. Toi, tu cherches la croissance, tu cherches le succès, tu cherches les miracles. Mais il veut faire des miracles. Il veut guérir. Il veut sauver. Il veut nourrir. Mais il t'interdit de faire de ces choses ta quête. Une seule quête doit être trouvée en toi. C'est lui. Cherchez premièrement. Premièrement d'abord. Mais tu vois, ça, ce que je te dis, les gens ne veulent pas écouter. Ils pensent que derrière ce que Dieu fait à travers nous,
Il y a des gens qui savent parler. Il y a des gens qui savent enseigner. Il y a des gens qui savent organiser. Au Castanou, c'était un bon communicateur. Hein? C'était un bon communicant. Hein? Il est excellent hein? En matière de stratégie. Tu es un comédien et un acteur. Et un... Mais toi, vraiment, je ne sais pas. Tu es peut-être le petit-fils de Jean-Michel Cancan, je ne sais pas. Hein? Ou de Jamel Debbouze. Tu es un acteur au père. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu penses que c'est la compétence qui peut faire ce que Dieu est en train de faire? Tu penses que l'éloquence peut faire ce que Dieu est en train de faire? Tu penses que le talent peut faire ce que Dieu est en train de faire? Tu penses que l'appel est suffisant? Non, je dis à quelqu'un, l'appel ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas. Je vais te dire une chose. L'appel, la bonne volonté, et même l'appel, la bonne volonté, la sincérité. De... En fait, ta bienveillance ne peut pas ouvrir le Jourdain. Non. Il y a des choses, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu penses que non? Ah non, il parle bien. C'est pas, il parle, il prêche bien. C'est pas, il prêche. Tu m'avais avec des notes là, tu m'avais avec des notes. Non, je t'entends, tu parles de mon cœur. Il n'y a pas de notes. Il y a des prières qui ont l'air géniales. C'est faux. Il m'a dit un seul. Toi, tu as ton désir. Dieu veut guérir à travers toi. Mais il m'a dit, ton soupir, ça ne doit pas être que je guérisse. Ton soupir, ça doit être d'abord moi. Je veux guérir. Mais ça, moi, tu ne pourras pas le faire. Donc, ton seul désir et besoin, priorité, ça doit être moi. Maintenant, tu ne comprends pas ce que je dis, tu ne vas pas comprendre. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu ne comprendras pas comment il y a des gens à travers qui Dieu fait des exploits qui n'ont jamais été vus dans leur époque, dans leur génération et dans les générations précédentes. Jamais vu. Tout le monde dit jamais vu. Jamais vu ça. En France, jamais vu ça. Comment est-ce possible? Tout le monde est en train de demander comment est-ce possible? Et puis alors, ils arrivent. Et puis ils regardent la cité royale. Ce que Dieu vient de construire. C'est pas nous, hein, c'est Dieu. Et puis il y en a, ils regardent la cité royale. Et puis ils me regardent. Et puis en général, il y a erreur. On est pas, déjà en Afrique, c'est pas évident, mais en France, c'est lui. Comment est-ce possible? Et puis les gens pensent que non. Non, il est bon. Il est leader. Frère, ça n'a rien à voir. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent enfin. Toi, tu veux faire des exploits? Il y en a, ils ne rêvent pas des exploits. Ils rêvent juste de Dieu. Ils désirent lui. Leur prière, c'est lui. Leur quête, c'est lui. Leur désir, c'est lui. Avant le mariage, c'est lui. Avant le travail, c'est lui. Avant la bénédiction, c'est lui. Avant la percée, c'est lui. Avant la distinction, c'est lui. Avant l'élévation, c'est lui. Avant la richesse, c'est lui. Il y a des gens qui ne désirent que lui. Il y a des David dans le désir. Ce n'est pas la royauté, c'est Dieu. Mais notre génération veut la royauté. Elle veut les positions. Elle veut les titres. Mais elle ne le veut pas lui. Elle veut la ressemblance sans l'image. Et moi, je te parle des gens. Il y a des gens. Tu les regardes aujourd'hui. Ils sont derrière la bergerie, dans l'insignifiance. Personne ne les connaît. Personne ne les voit. Personne n'a mentionné leur nom. Et je me plais à dire en toute humilité, je n'ai jamais de prophétie annoncée. Je n'ai jamais eu de prophétie, ni moi, ni pasteur Yves. Je n'ai jamais eu une prophétie dans l'église, ou en privé, ou en public, où un doigt est élevé sur moi. Et a dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint-Esprit. Je vais t'utiliser, mon fils. Je n'ai jamais eu ça. Ça, c'est un. Deux, je n'ai jamais eu de songe où j'ai vu une apparition, une extase dans ma chambre qui me dit, vois, je t'envoie délivrer les captifs. Je n'ai jamais eu ça. Jamais. Moi, j'ai juste une chose.
J'avais juste un cœur désespéré de Dieu. Je voulais juste Dieu. Je suis comme David. Voilà pourquoi je suis honoré quand quelqu'un me dit, tu es le David de notre génération. Ah, parce que là, il est en train de me donner un grand compliment. Tu ne dis pas que tu es un grand homme de Dieu, un apôtre, un bishop. Non, mais lorsque tu me dis, tu es le David de notre génération, oh, mon cœur tressaille au-dedans de moi. Ah, raconte sakapara. Parce que ça, je reconnais que c'est mon cœur. C'est mon cœur. C'est mon désir. David ne désirait pas tout ça, il désirait pas la grandeur, il désirait juste Dieu. Il a dit à Dieu, comme une biche as a deer par le fond, the water so my soul longer to thee. Ha ha ha, you alone are my heart. Ah, entends bien, desire and I love. To worship you. Mon âme soupire. Il n'a pas dit soupir après la bénédiction, le travail, la percée, l'excellence, la grandeur, la promotion. Non, son âme soupire. Mais où est cette génération qui revient aux anciens sentiers et dont l'âme soupire après Dieu? Tu ne soupires pas après Dieu. Tu ne jeûnes pas pour Dieu. Tu ne pries pas pour Dieu. Toi, tu jeûnes pour la percée. Toi, tu jeûnes. Toi, tu es intéressé par le jeûne et la prière seulement lorsqu'il va y avoir la guérison, lorsqu'il va y avoir la prière. Mais il y a une génération d'hommes et de femmes, eux, ils se retirent dans le secret. Hey, je suis en train de te donner les secrets du pasteur Ivan et du pasteur Mohamed et du pasteur Yves. Je suis en train de te donner les secrets, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui se retirent dans le secret. Ils ne demandent pas à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Ils disent, tout ce que je demande, c'est toi. Tout ce que je désire, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Il y en a pour qui c'est une chanson, d'autres c'est un soupir. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, ce que nous voulons. Ah, Makatobare. Oh, oh, avant tout le reste, premièrement, ce que nous voulons, c'est toi. Moi et ma maison, ce que nous voulons. Oh, ma destinée, ma postérité, ma maison. Mon premier besoin, c'est toi. Mon désir, c'est toi. Ma passion, c'est toi. Mon obsession, c'est toi. Ne me laisse pas trouver le succès. Ne me laisse pas la réussite. Ne me laisse pas l'argent sans toi. Ne me laisse pas la grandeur sans toi. Ne me laisse pas l'élévation sans toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Barreto s'accapare. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Shimana Rabaros. Ha ha ha. Et qui est au paradis, et Mantou Kabarasi est au Kabarasi. Oh, ne me laisse pas trouver un autre que toi. Ne me laisse pas désirer un autre que toi. Ah, oh, pardon pour là où j'ai désiré les choses avant toi. Tu as dit chercher premièrement. Moi, je n'ai pas cherché premièrement toi. Chercher ta destinée premièrement, c'est le désordre. Tu ne peux pas accomplir de destinée sans lui. Oh, bien-aimé, c'est le secret, c'est le secret, c'est le secret. Maintenant, je vais t'expliquer. Dans cette atmosphère, quand c'est lui seul que tu réclames, que tu désires, lui seul, c'est pour ça qu'il dit chercher premièrement. C'est parce qu'il y a des deuxièmement, il y a des troisièmement, il y a des quatrièmement. Il n'est pas contre ça. Il n'est pas contre. Mais il dit, commence par moi. Pas moi et les autres, non, moi d'abord. Maintenant, quand Dieu voit que c'est lui
Et quand tu viens à lui, tu te décharges sur lui de tous tes soucis. Car lui seul prend soin de toi. Tu ne viens pas à lui avec une arrière-pensée de tout à l'heure, je vais te parler de ma maladie. Hein. Tout à l'heure, je vais te parler de ma percée. Hein. Non. Tu dis, c'est juste toi. Juste toi que je veux. Ne me laisse pas chercher et trouver un autre que toi. Je t'en supplie, j'ai la volonté. Mais je n'ai pas la capacité, je demande de toi. Et puis l'Esprit m'a dit, il y a un niveau de quête de lui, de désir de lui. Premièrement, focalisé sur lui, contemplant lui comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Lui seul. Maintenant, ce qui va se passer, il sait que tu as besoin d'argent. Il sait que tu as besoin de guérison. Il sait que tu as besoin de délivrance. Il sait que tu as des besoins. Mais quand c'est lui seul et personne d'autre, son cœur que tu as désiré ardemment. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je veux te révéler. Je veux être aimant. Je veux aimer comme toi. Parler comme toi. Pardonner comme toi. Ressentir comme toi. Généreux comme toi. Bien, bon comme toi. Je veux te révéler, te refléter. Je demande de toi. Je ne demande pas les choses. Je demande de toi. Je demande de toi. Je désire toi. Ne me laisse pas dans ma dimension misérable. Ne me laisse pas là où je suis comme je suis. Emmène-moi à te connaître, à te vivre, à te voir. Emmène-moi à être divinement réquisitionné par toi pour ta gloire. Emmène-moi à révéler à ma génération qui tu es. Emmène-moi à manifester ta plénitude. Je veux refléter qui tu es. Oh, sois visible à travers moi. Exprime ton amour, exprime ta paix, ta douceur, ta bienveillance, ton humilité, ta sagesse, ton intelligence. Exprime-toi. Je suis un vase entre tes mains. Réquisitionne-moi pour ta gloire. Ne me laisse pas vivre la cohabitation entre la lumière et les ténèbres, en Christ et Bélial. Oh, je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'être tout entier à toi. Prends-moi, possède-moi, embrase-moi, enivre-moi, sature-moi, commande-moi, gouverne-moi, irradie-moi, déteins sur moi. Ne me laisse pas sans toi. Sans toi, c'est la misère. Sans toi, ce sont les ténèbres. Sans toi, c'est le chaos. Sans toi, c'est la mort. Sans toi, je ne veux pas sans toi. Je ne vois rien sans toi. Je demande toi. Je ne demande pas d'abord la guérison, d'abord toi. Il y a la maladie, c'est vrai, mais d'abord toi, juste toi, just you, juste toi. Ne me laisse pas trouver un autre que toi. Ne me laisse pas faire le plaisir d'un autre que toi. Ne me laisse pas être réquisitionné par un autre que toi. Ne me laisse pas manifester un autre que toi. Oh, je veux te connaître, je veux te connaître, oh Christ, ainsi que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances, afin d'être une même plante avec toi. Je t'en supplie, ne me laisse pas aimer un autre que toi. Sois mon maître. Sois mon guide, sois le maître de ma vie. Embrasse-moi, enivre-moi, possède-moi, vis par moi, à travers moi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Ne me laisse pas dans ma misère. Je t'en supplie, délivre-moi, sauve-moi des forteresses, des prisons qui me retiennent de colère, de rejet. Je ne demande pas la délivrance de la prison. Je demande que tu viennes m'embraser, que tu viennes m'envelopper, que tu viennes me posséder, que tu viennes me saturer, que tu viennes m'irradier. Oh, ne me laisse pas dans ma condition. Je t'en supplie, viens là où je suis. Possède-moi, possède-moi, gouverne-moi. Oh, je t'en supplie, réquisitionne-moi pour ta gloire. Fais de moi un témoin dans mon époque et dans ma génération. Un témoin, je t'en supplie. Je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, mais je te demande, je te veux toi, je te veux toi. Sakamare, ikamara dosi kepara. Je te veux toi. Je te veux. Oh, Barito Sakamaya. Je veux toi. Je te veux toi. Je te veux toi. Ah bah c'est toi, je te veux, je te veux. Ibre ton sac à balle, je te veux. Oh, ne me laisse pas dans ma misère. Je te veux, je te veux, je te veux. Je te veux, viens m'envelopper, viens m'irradier, viens t'éteindre sur
m'assumer. Viens me rendre tout entier à toi. Esprit avec comme je te veux. Je ne demande pas le succès, non. Je ne demande pas la richesse, non. Premièrement, premièrement, je te veux. Les vrais tous s'accabara, je te tamara. Aïe, 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 amara tous s'accabara. Je te veux. Oh, je suis là, localise-moi, localise-moi. Je ne suis pas rassasié. Oh, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de te connaître. Oh, rencontre-moi, je veux te rencontrer. Oh, Christ, je veux te rencontrer. Accorde-moi de te vivre. Accorde-moi de te voir. Accorde-moi d'être entièrement à toi. Ah, viens me réquisitionner. Je te veux. 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 Il y a quelqu'un qui te désire ce soir, ce matin. Il y a quelqu'un qui a soif de toi ce matin. Visite-le maintenant. À ma paix. À ma paix. À ma paix. Délivre l'église de la séduction. Ramène-nous à ton amour. À la connaissance de toi. À la manifestation de ta gloire. Il y a un peuple qui te désire. Il y a un peuple qui veut revenir aux anciens sentiers. Il y a un peuple qui veut commencer par le commencement. Il y a un peuple qui désire t'aimer, qui a la volonté mais n'a pas la capacité. Il y a un peuple qui est oppressé par des forteresses. Quand je vais dire toi, tu vas juste dire je reçois. Et il va y avoir un téléchargement d'un poids de gloire et de puissance qui va venir sur toi. Soudainement, les blessures, les fardeaux, les poids que tu transportais dans ton cœur et dans ton corps vont fondre comme la cire. Oh bien-aimé, il y a une dimension de Dieu. Quand c'est lui, pas ce qu'il a, pas le don mais le donateur, pas les bienfaits mais le bienfaiteur. Quand c'est lui que tu veux en premier, tu vas expérimenter, fais de l'éternel tes délices. Et il t'accordera ce que ton cœur désire. Alors mon temps est arrivé, je veux juste prier pour que, quand je vais dire toi, tu vas crier Jésus. Tu vas dire Jésus. Et il va t'arriver quelque chose. Parce que la grâce est transférable. Les grâces sont transmissibles et transférables. Pas Nebrocotosia. Il y a une dimension de Dieu. Il y a une dimension. Il y a des gens qui ne demandent pas la délivrance. Ils demandent lui seulement. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu l'as trouvé lui, tu as trouvé le Dieu qui guérit. Tu as trouvé le Dieu qui bénit. Tu as trouvé le Dieu de la richesse. Tu as trouvé le Dieu. Mais commence par lui. Commence par lui. Par l'aimer lui. Le désirer lui. Bien aimé, tout ce que je viens de t'enseigner, en vérité, est écrit dans ce livre. C'est le secret des secrets. C'est le secret des secrets. Ne cherche pas à sortir de la prison de la sorcellerie. Ne cherche pas à sortir de la prison de la maladie. Cherche à ce que Dieu rentre dans cette prison. Si tu sors de cette prison, tu vas sortir seul. Mais s'il rentre dans la prison, bien aimé, il va saccager les fondements de la prison. Il va ouvrir les portes des cellules. Parmado, il va libérer ta famille, libérer les prisonniers, libérer les otages. Laisse-le rentrer. Mais il ne rentre pas parce que tu jeûnes et que tu pries. Il rentre parce que il rentre parce qu'il sait que c'est lui qui est désiré. C'est pas la guérison, c'est lui, c'est sa personne. Pas
Paul et Silas en prison n'ont pas pris autorité sur les dominations, n'ont pas commencé à réprimander les esprits de prison, non. Ils ont juste loué, chanté des cantiques, ils ont juste imploré, ils ont juste supplié. Et puis Dieu regardait depuis le trône. Mais il y a un niveau de désir ardent de lui qui était tellement fort qu'à un moment donné, Dieu en a assez. Il a dit, on a assez de rester sur le trône ici au ciel. Michael, Gabriel, Séraphin, Chérubin, allez, on va atterrir sur la terre. Descendez, descendant. Et il est descendu. Je prie que Dieu descende dans la prison dans laquelle ta vie avait été enfermée. Ta destinée avait été enfermée. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Répandaba daba siete de cabara. Les bras tout sacaba. Je te veux. Oh, je te veux. Est-ce que tu es prêt? En une semaine, il va. En une minute, il a le temps d'agir. C'est une question de désir. Je te veux. Je dis un. Je dis deux. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Tu vas crier Jésus à toi. Je dis trois. Reçois, reçois, reçois. Reçois ce qu'il a téléchargé. Reçois le feu. Reçois l'embrassement. Reçois l'amour. Reçois le baptême dans la gloire. Je te veux. Le baptême dans l'amour. Le baptême dans la sainteté. Le baptême. Je te veux. Je te veux. Retasikaba, retasakaba. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Sois de Dieu, saisis mon frère, ma soeur, saisis les assoiffés, embrasse les assoiffés, embrasse les assoiffés, embrasse les assoiffés, embrasse les assoiffés. Je te veux, 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 au son de ma voix, réponds-toi. Jaloux. Ne laisse pas les ténèbres emprisonner. La maladie, les afflictions, la dépression, les tumeurs, le diabète, la sorcellerie, ne les laisse pas cadenasser. Un assoiffé de toi est en ta main. Transfère la grâce. Juge les ennemis et les adversaires de la destinée, de la santé. De mon frère et de ma soeur, gloire de Dieu, malgré tout ce cabana. Oh, que le poids de ta gloire atterrisse. Chaque cabaret, tout ce cabana, tout ce cabana. Ah, que tout serpent, scorpion, python, boa, qui s'est assis sur sa vie, sur son cœur, dans son corps, soit attrapé. Jetez dans les deux arides. Maintenant, je te veux. Je te veux. Je te veux. Arrête tout
ce qui est pas. Je te veux. Je te veux. Oh, bras de Dieu, je te veux. Ah, awesome God. À partir de maintenant, Saint-Esprit travaille à l'intérieur. Que ce que tu n'as pas planté meure à la racine. Ce que tu n'as pas agréé brûle à la racine. Tout adversaire et ennemi de la santé, de la destinée, de la splendeur, de ta gloire, dans la vie de mon frère et de ma soeur, cède et lâche sous le poids de ta gloire. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, de cet instant, un dépôt a été relâché. Par Sakapaga, une main vient se poser sur toi. Oh, nous t'implorons. Confirme cette parole. Et montre à mon frère, à ma soeur, la gratification, la rémunération, la récompense qu'il y a à chercher premièrement le règne de Dieu, sa majesté, le glorieux Saint-Esprit. Pardonne-nous nos ignorances et nos mauvaises priorités. Commence par lui. Et quand il vient te saisir, t'embraser, c'est lui qui te rend enceinte de sa volonté, de ses révélations, de sa direction, de ses pensées qui téléchargent en toi, de ses capacités, de son intelligence, de sa sagesse infiniment variée. Tu dois commencer par lui. Et quand tu l'as trouvé lui, il vient exprimer à travers toi toute la panoplie de ce qu'il est. Que ce soit le témoignage rendu à ton sujet. Dans le nom de Jésus. Merci. Tu as relâché une semence. Tu as commencé une œuvre. Elle ne s'arrête pas. Tu la rendras parfaite. À la louange et à la gloire de ton saint nom. Abba Père. Honneur, louange et gloire. Sagesse, force et action de grâce à celui qui est sur le trône et à l'agneau, dès maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de sa majesté, Jésus le Christ. Y a-t-il un témoin pour faire monter le clameur? Déclamerons son honneur. Amen, amen, amen. Reste assis, camarade.